chaud, donc je fais de la pâte à tartiner. Donc je travaille avec des produits locaux, donc je cherche à faire travailler les réseaux locaux le plus possible et puis maîtriser un peu tous les produits de A à Z. Donc moi à la base je suis chocolatier de formation, je fais des études en pâtisserie puis en chocolaterie. Ensuite je suis parti un petit peu en Amérique latine pour étudier le cacao sur place. Puis après je suis arrivé dans le Limousin, j'ai monté un food truck où je travaillais avec des produits locaux. Et puis de fil en aiguille je me suis mis à fabriquer de la pâte à tartiner et puis ensuite j'ai arrêté le food truck et maintenant je fais que de la pâte à tartiner. Donc là Folivora je fais de la pâte à tartiner, donc pour l'instant c'est décliné en une gamme de 3 produits différents. Je travaille avec des noisettes françaises uniquement. Ce sont des variétés françaises déjà à la base. Je travaille aussi sans huile ajoutée dans la pâte à tartiner et donc avec beaucoup de noisettes. Donc minimum 50% de noisettes. Après j'ai 60 et 70% de noisettes aussi. Je compte monter un petit peu ma gamme, créer d'autres pâtes à tartiner ou partir sur d'autres produits de conservation aussi. Toujours en travaillant avec les producteurs locaux le plus possible ou français et puis en travaillant à partir de la matière première brute. J'alime parce que pour pouvoir rentrer dans un réseau de petits producteurs qui me correspondaient aussi et puis donc rencontrer d'autres producteurs, pouvoir travailler plus directement avec les consommateurs. Bah, vous pouvez retrouver les pâtes à tartiner Folivora dans les petites boutiques près de chez vous qui sont toutes affichées sur le site internet folivora.boutique.